Ce qu'il faut savoir pour toutes ces structures, un argument, c'est que le comportement au feu est très intéressant pour le bois. Lorsque vous avez du bois massif, des poutres relativement épaisses, ou bien des poutres en couches multiples, ou bien des planches en couches multiples, même assemblées par des chevilles en bois, ceci est pratiquement incombustible. Il y a quelques années encore, on avait des annuaires téléphoniques. Qu'est-ce qu'il y a encore eu des annuaires téléphoniques dans les mains? On n'est pas beaucoup. C'est incombustible. On peut mettre ça dans le feu, ça ne brûle pas. C'est trop compact, il n'y a pas d'oxygène qui arrive pour faire brûler le papier. Il faut prendre page à page, les chiffonner et ça brûle. Ça, c'est le même phénomène. Le bois, lorsqu'il est compact, il va se carboniser en périphérie. Ici, c'est dans un institut de test, la flamme du lance-flamme d'un côté, puis on dose la flamme et on mesure combien de temps il faut pour que la paroi soit transpercée par le feu et que le noircissement ait lieu de l'autre côté. Combien de minutes, de dizaines de minutes, combien d'heures éventuellement faut-il de lance-flamme pour traverser la paroi? Il faut énormément de temps, là c'est pratiquement... Il y a des données ici. Le problème avec les constructions en acier et béton, est tout à fait différent. Ici, il suffit d'une petite augmentation de température et votre structure porteuse, des poutrelles ou des structures en béton armé, la partie armée, la partie métallique, grâce à ce peu d'augmentation de chaleur, quelques centaines de degrés déjà, provoque la dilatation. Et qu'est-ce qui se passe? Ça pète, on dit grossièrement, ça commence à sauter, ça éclate. Ça fait éclater votre béton. Donc ce béton n'est plus porteur puisque le métal est ramolli et le béton est encore là en tant que masse, en tant que ballast. Tout ceci, ça s'effondre de manière dramatique. Et les pompiers sont extrêmement critiques par rapport à ces constructions-là, comparativement aux constructions en bois où ils savent exactement où ils se trouvent. Il n'y a jamais de surprise. Ils peuvent juger d'après l'avancée de l'incendie. Là, je peux encore y aller. Il y a encore tel ou tel diamètre, épaisseur de poutre qui va tenir ensemble. Alors qu'avec des structures en métal, béton, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, c'est un critère à prendre en compte. Par exemple, lorsqu'on a aussi du bétail, c'est quand même pas anodin. Bon, il n'y a pas de limite dans le design. Soit on travaille dans le brut et dans le traditionnel modernisé, le design ou carrément changer, on fait de la construction organique. Avec le bois, tout est possible. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun, on peut construire une maison avec une tronçonneuse, à l'aide d'une tronçonneuse, mais vous ne pouvez pas le faire avec du béton et de l'acier armé, avec ce qui pousse sur place. Ça, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc, le niveau basse technologie est de nouveau un argument intéressant. Voilà, là, c'est juste pour le bilan carbone. On a déjà vu cette formule concernant la photosynthèse. On connaît la photosynthèse du bois, c'est la formule moyenne du bois. Il faut 8,4 CO2 plutôt que 6 pour faire du C8,4H12, 5,4 O. Ça, c'est la formule moyenne du bois, lignine, cellulose, tout compris. Pour 1000 kg de bois, il faut 1851 kg de CO2. Ce n'est pas tout à fait le même rapport que pour... la photosynthèse simplifiée. Donc, chaque fois que vous avez 1000 kg de bois incorporé dans un bâtiment, vous avez capturé, vous avez stocké pratiquement le double, 1851 kg de CO2, mais ce CO2, c'est donc 4 parts par million dans ce volume d'air, c'est donc énormément d'air qui est allégé de son CO2. Donc voilà le rapport, et c'est le bilan le plus simple qu'on puisse avoir. Si vous voulez garder un chiffre de cette journée, c'est ce chiffre-là. Chaque fois que vous mettez un kilo de biomasse, que ce soit du bois ou de l'écorce ou autre à peu près, vous savez que vous avez bloqué 1,8 kg de CO2 dans cette masse, soit construite, soit incorporée dans le sol pour en faire un sol vivant. Voilà, ça c'est les pouvoirs du carbone au travers des arbres et de la biomasse. Et là maintenant, c'est le problème avec lequel on est confronté. Comment fonctionne l'agriculture ou bien l'industrie agricole
agroalimentaire actuel. Le bilan agroalimentaire occidental, c'est donc Europe, Amérique du Nord, mais je pense que ce n'est pas très différent ailleurs. Pour une calorie de contenu alimentaire, ce que vous retrouvez sur votre pizza ou votre... sur votre aliment, sur votre table, vous avez eu besoin de 1,6 calories pour la production agricole, pour avoir la plante ou bien les composantes de votre plat. La transformation et l'emballage, c'est plus que la production, c'est 2,7 calories. Ça, c'est l'industrie agroalimentaire. La distribution, c'est encore plus, 4,3, c'est les grands réseaux, c'est les camions, les transports. Et la consommation, les gens vont consommer sur place plutôt que de produire sur place et de consommer soi-même. On se déplace pour aller consommer, ceci coûte aussi de l'énergie. Et, ou bien alors on va acheter, puis on ramène chez soi pour consommer. Et cette somme-là, c'est pratiquement 12 calories pour une nourriture standard, mais lorsque c'est de la viande de bœuf, par exemple, pour les États-Unis, un calcul a été fait et c'est 26 unités fossiles pour une unité de viande produite selon cette manière-là. Production intensive avec apport alimentaire concentré. Et ce rapport-là, énergie fossile et prix de la viande, est spectaculairement mis en évidence par les courbes d'évolution des prix de la viande et des prix de du pétrole. C'est même food price, c'est le prix de la nourriture en général. Ces deux courbes qui sont parfaitement parallèles. Donc cette agronomie-là a un bilan relativement grave de ce point de vue-là. Une agronomie de ce genre-là, du point de vue du réchauffement climatique, on devrait la fermer immédiatement, on devrait interdire ce genre d'agronomie puisqu'elle est plus source de réchauffement climatique que pratiquement que certains autres secteurs. Donc, est-ce qu'on va en rester là ? Bien sûr que non. On est en train de réfléchir à un modèle alternatif où on combine le modèle forestier, l'apport des arbres, avec ceci. Donc, les arbres, c'est un matériau qui produit de façon durable pour construire ici, à partir d'une sylviculture qui produit de l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des cycles fermés. Production, transformation, produits annexes, tout ça absorbe du carbone stocké, ou bien alors, lorsqu'il est brûlé, c'est du carbone, soi-disant, entre guillemets, neutre, puisqu'il n'y a pas plus de CO2 qui se dégage qu'il n'en a été utilisé pour... qu'il n'en a été stocké dans les matériaux. Donc ici, c'est un cycle soit neutre, soit positif pour la durée du stockage du carbone. En principe, c'est toujours positif parce que lorsque vous avez construit en bois une fois, si le bâtiment suivant est reconstruit en bois, en principe, je pense que ce sera toujours le cas puisqu'on a fait l'expérience du confort du bois ou bien de l'agrément du bois ou bien des apports collatéraux du bois en tant que forêt, on va continuer de construire en bois, donc ce sera de toute façon positif. Lorsqu'on aura choisi l'alternative bois par rapport à une alternative béton, acier et verre. Le verre, on en aura toujours, naturellement. Cycle, oui. D'accord, alors on va abréger, j'ai presque terminé ce que je voulais encore dire ici. Le bilan carbone forestier est intéressant pour avoir une unité. On peut calculer en calories ce que vaut une poutre ou bien une planche d'un certain poids. C'est un certain contenu énergétique, c'est la même chose qu'un kilo de spaghetti, exactement le même genre de contenu, c'est des sucres en fait. Et pour comparer ce qu'on utilise pour obtenir le produit fini, après la sylviculture, le transport à longue distance ou courte distance, le sillage, le séchage technique, le produit fini nécessite ces 2, 3, 4, 5, 6 petits postes. Et par rapport au contenu énergétique du produit, on n'utilise pas plus que 15% du contenu énergétique. Donc pour produire une calorie, 7 calories de sillage, on a besoin d'une calorie fossile. C'est exactement le rapport inverse.
Donc ici, on est vraiment positif du point de vue du bilan. Même si on emploie des calories fossiles, on pourrait employer des calories renouvelables, on pourrait produire 7 calories consommables. Donc ça, c'est le modèle qui nous permettra d'obtenir avec le temps une agriculture climato-compatible, en fait, et non plus une agriculture qui va dans le sens du réchauffement climatique. Alors, toutes ces questions concernant les dates d'abattage, on va laisser. Je vais terminer rapidement sur quelques dernières réflexions. Une réflexion concernant le bois, vous allez tous avoir affaire avec des arbres et du bois. Lorsque vous abattez un arbre, laissez-le avec la couronne pendant tout l'hiver, si l'abattage se fait en automne. Ce sera déjà un premier séchage extrêmement efficace qui va alléger le bois, qui va préconditionner le bois. Et au printemps, vous allez faire le dépitage de cette bille, l'élagage, et vous avez déjà un bois à moitié séché, très différent du point de vue de la couleur par rapport à un bois qu'on aura laissé en hiver, mais sous forme élaguée. Là, il y a un séchage, une extraction de l'eau qui se fait par voie naturelle, très intéressant.